quoi, bon, jeudi 22 décembre 2022, il doit être 10h20. Et nous sommes à l'aéroport de Val-d'Or, regardez là-bas. L'aéroport de Val-d'Or, je vais éviter ça, ça s'en va dans une mine au nord du Québec. Donc voilà. Il y a un avion là-bas qui se met en place. Il a fallu qu'on tire la palette avec une chaîne parce que mon ouverture à la main gauche est cassée, je vais vous montrer. Et bien on l'a fait, je suis comme un gland. Et ça c'est la tour de contrôle. Bon bah good, on va refermer. Je vous pose. Bon, il fait froid, hein. Moins 15, ressenti moins 20, je crois. L'avion est parti? Ah ouais. Il a décollé. Je vais faire signer les papiers. Et après, on va aller vider des une espèce de drill ou je sais pas quoi, là. Dans une mine, là, pas loin. Donc vous voyez ce qui a cassé hier, c'est ça. Vous voyez là-bas, j'ai une poignée qui s'ouvre pour prendre la bâche. Et là, la poignée elle est rendue là. Elle a été fixée là, elle a cassé. Donc du coup, je mets une strap. Et là, l'armoire qui l'arrête. Ah bah, là, là-bas. Là, l'armoire qui l'arrête, il y a pas mal de choses qui vont pas. Du coup, il l'arrête. Bon, je coupe pour le moment, je vais mettre en route à la minute tout à l'heure, tato. Un peu froid. Bon, je vous emmène à la mine où on va. Le temps que la batterie va durer, je sais pas combien de temps va durer, mais. Ah, tabarnak. Tout est plus dur quand c'est gelé. J'ai essayé de vous trouver une place, c'est pas évident. Ah. Ça va peut-être bouger, hein. Le son est pas top top parce que. C'est pas le bon micro! C'est juste pour vous emmener à la mine. Toujours un petit coup de klaxon quand je recule. Bon, ça va être longtemps la go comme ça là, mais bon. C'est bien ce qui me semble. La route, elle est où? Un centre tour quand même, parce que même si on prend les pistes, parce que là on va prendre des pistes, pas long, hein. 5-6 km, peu près 3-4 km, je pense. Et des fois, il y a la police pareil.
vous passer le gars de chez Parco. Faire de la média box, du support et tout ça. Ça, j'ai pas le courage. Dans toi, Seb, c'est 70. Là, nous étions à l'aéroport de Vader, et non pas l'aéroport. Un peu gelé, je n'y suis jamais allé à la mine là où on va. À gauche, mais comme nous on n'est pas en transit, eh ben non. En fait, là après à droite, c'est un chemin privé. Je sais pas si vous allez tenir, parce que là, ça va se couvrir tabarnak. La batterie, ça va peut-être vous emmener jusqu'à la mine, mais ça va être chaud aussi. Ouais, non, ça va, c'est pas pire. Ça se couvre un peu, mais c'est pas pire. Là, ça glisse. J'aime ça. Sinon, ça va ou bien? Vous trouvez ça comment? Est-ce que c'est joli? Si, ça va, le docteur, il a dit ça allait bien. Il a dit ça allait pas pire.
est arrivé à la mine. Voilà qui m'appelle. Allô? Ok, allô? Ok. Un client ontarien qui m'appelle, je sais pas ce qu'il me veut. Allô? Ok, you speak French? Ok. But I think it's okay for me because I have one kid to delivery to airport Val d'Or and I don't know if for delivery it's to 125 rue Arsenault in Val d'Or or 93 rue Arsenault. But the skate it's delivery to 93 rue Arsenault. Excuse me? WRS. Alright, yes. I think. Yeah, this is a shipping company. Coming from Toronto. I think Toronto for Val d'Or, Quebec. Yes, to Val d'Or, yes. Yes, the Val d'Or, but on the bill of lading, it's writing two address. There is a 93 rue Arsenault, Quebec, Val d'Or, and the second it's a 125 rue Arsenault in Val d'Or. 93, it's airport of Val d'Or. The skid is delivered to airport. It's okay for you? Yeah. Yeah. I'm sorry, my English is good. I think it's better if you call to WRS company because there is someone who speaks French. WRS, yes. Yes. WRS. Yes. Yes, but it's my phone. But if you call my dispatch to WRS, WRS call me after. Okay? Thank you. Bon, rigolez pas, c'est pas drôle. Bon, en vrai, tout ça pour dire, on a livré l'or. Il reste plus qu'une palette. On va fermer la vanne à rideau, on va s'amuser. Et puis après, on va rentrer chez nous. En fait, j'ai expliqué que j'ai livré une palette, mais en fait, j'avais deux adresses, mais il y en a une, c'était 125, mais en fait, le 125, c'est les bureaux, et 93, c'est à l'aéroport. C'est pour le client, et du coup, à faire, je suis habitué, mais je voulais être sûr, plutôt que de faire des conneries. Donc voilà, vous voulez voir, regarde ce que c'est. Regardez ce que c'est, un camion sale, un camion sale qui travaille beaucoup. Il est dans un état, et Loïc l'avait nettoyé le week-end dernier. Ouais, c'est ça. Bon allez, on va fermer tout ça, hein? Ouais, et puis on va rentrer, ouais, peut-être, c'est sûr, pour l'horloge, tato. Bon, ça y est, on a vidé. Ah merde, j'arrête pas le casque. Le cax. Ah, mon stylo. Euh...
pas envie de te répondre. Daniel, bonjour, c'est Sébastien, je suis vide à Val d'Or, je rentre au dépôt, si t'as pas de consigne contraire, à tout de suite. Donc on rentre au dépôt, mais ici on rentre pas où au dépôt, parce que je suis au milieu de nulle part. Où aller ? Récent. Ah ben, je crois que j'étais déjà sur la route des Foreurs. Vous sentez? Si, sentez. Ah, j'ai les mains qui sentent les pieds. C'est vrai, vous savez, les gants, quand on transpire dedans. Après, c'est une horreur, on a les mains qui sentent les pieds. Putain, j'ai mes lunettes, c'est pareil, elles sont dans un état. On a les mains qui sentent les pieds. Ah, putain. Ça pue en tabarnak. Si, ça pue, ça pue. Sentez. Hé hey Léa, je te fais des gros bisous Léa. Et j'en profite aussi pour embrasser Sacha. Et puis tous les enfants qui m'en viennent. Mais Léa, en ce moment, elle est malade. Ça me fait chier. Et Léa, normalement, je la bois. Peut-être l'année prochaine. Mais ouais, la Miss Tinguette, elle est malade. Alors je l'embrasse bien fort, la Miss E, Léa. Je te fais des gros bisous. Toi, Sacha, ça va ou bien? L'école, ça se passe bien? Et les filles? Sacha? Les filles, ça va bien, les filles? T'as une petite copine ou pas? Non, mais si, mais c'est important quand même, faut savoir. Oui, j'aurais pu faire demi-tour sur place, mais je veux pas. Parce que ça escalade les pneus. Vu la glace qu'il y a, ça va pas se gâter grand chose. Oh, mais c'est un réflexe. C'est pour tirer sur les flexibles et tout, ça sert à rien. Perdre de 30 secondes. Ouais. Perdre 30 secondes, mais peut-être gagner 500 pièces, parce que tu fais demi-tour sur place, tu pètes ta flexible, un truc comme ça, t'es dans marre. Bon, bah ouais, petite mine sympa. Vous savez pas où on est, je vais vous montrer quelque chose. L'entrée du trou de la mine, il est là. Vous voyez la fumée là, vous allez voir. Explosif, vous voyez, c'est là. Au trou de l'entrée de la mine, c'est là. C'est là qu'ils s'en vont dans les profondeurs. Ouais, mais deux Jacob, ça va suffire. Deux cylindres. Oh ben, t'as une tombée. Tombé les gars, ben, attendez. C'est par où la sortie? Il est où le cucu? Elle est où la tête-tête? C'est moi qui dit, c'est moi qui dit qui rentre, qui rentre pas. On dirait un vieux véhicule russe. On dirait qu'ils ont pris un rien d'un vieux bus russe. Ouais, vous voyez, tout ça, c'est des machines qui s'en vont à dessous. Et il y a deux minettes, là, deux filles qui sont entrées. Elles sont gentilles comme tout, belles comme des cœurs, avec le sourire. Bon Dieu, c'est agréable. C'est pas comme un. Là-bas, j'allais dire. Ah, j'ai rien dit, non, j'ai rien dit. C'est pas vrai, c'est pas moi. La large, je l'ai pas dit fort. Il va falloir que j'aille faire caca. Pardon, ça m'a échappé. Ah, monsieur, ben, ils s'en branlent. Pardon, ils s'en foutent.
Et là, il y a Léa qui dit hey, papa, Sébastien, il fait caca. Et je suis mort de rire, c'est pas drôle. Je suis content. Tu vis bien, toi, bien? Si, c'est un mélange. Ça s'appelle les Chevaliers du Nord. C'est un mélange entre... Non, c'est les Chevaliers du Boone. C'est un mélange entre Danny Boone et puis les Chevaliers du Fiel. Ah, le pare-brise est un peu dégueulasse. Il m'a pas répondu, Daniel. Parfait. Bonjour, s'il te plaît, merci. Bah, s'il te plaît, merci, non, mais bonjour, ça aurait été bien. Comme ça, ça reste un bon gars. Pareil. Normalement, là, je décroche. Là, dans 10 minutes, on est au dépôt. 15 minutes. Je décroche logiquement. Et moi, d'après moi, je vais rentrer Bob Dyle. Je sais pas si je vous ai dit, mais je crois qu'il y a une remorque à récupérer. Non, je veux pas que vous regardiez que c'est vraiment un peu le bordel. Ouais, mais j'ai beaucoup de bordel, puis j'ai un petit camion, puis j'ai le droit. Puis c'est pas ça la question. Le son est pas terrible hein, en média box de l'intérieur. Hein. Mais c'est correct ou ben hey, s'il y a des vacances, ben, putain j'ai hâte, ouais. Putain j'ai hâte. J'ai passé une journée avec mes filles. Ça c'est cool. Ben, en fait, une journée complète avec ma grande fille, une journée complète avec ma corvette. Ouais. Je vous ai déjà dit, non? Hein? Si, ça va. Vous avez vu les arbres? Là? Là? Bah regardez, là, là. Regardez, vous voyez, hein? Non, vous les voyez pas? Si, si vous devez les voir. Ah ouais, vous devez les voir. Ils sont pleins de neige. Ah, c'est chalé! Peut-être prendre un comprimé, moi, quand même, parce que... Pour finir la soirée, hein. La journée déjà. Les journées vont commencer à rallonger. Ça me botte, ça. C'est cool, là. Que les journées rallongent. Bon, ben, Seb, c'est 70 imité par 50. Hein. Ah ouais, mon homme, ah ouais! Ouais, mais on a dit 70, on n'a pas dit 80. Alors, calme-toi. Ah, j'adore ça, regardez. J'adore ça. Dans le milieu des bois, dans le trou du cul du Canada. Voilà. Sur la glace. Dans les routes de glace. Mais de la glace sur la route, là. Pas de la glace... Ah, c'est de la glace aussi, mais... Il y a beaucoup moins de chances que ça s'effondre dessus. Et j'adore ça. Eh, vous avez vu mon levier? J'ai raccourci. Ouais. Parce que bah, je vous avais dit, mes petites vitesses elles sautent. Et elles sautent pareil. Donc je remets ma rallonge. Ça change. Mais pour le fun, j'aime bien avoir là. Comme ça, les filles, quand t'as mon camion. Joli camion, oh grand bâton. Et tu sais pourquoi il y a un grand bâton? Qui c'est qui a dit que c'est pour compenser? Salaud. C'est même pas vrai d'abord. Puis c'est celui qui dit qui y est. J'en profite les bambins moi comme ils disent.
Il y a un chariot de bois qui s'en vient. Ah non, c'est pas un chariot de bois, c'est un chariot de benne. Donc là, je vais aller tout droit et je vais faire le tour. Bon, je vais couper là, de toute façon. On aime retrouver un petit, hein. Il tourne là. Là-bas, ça me semblait. Bon, je vais couper là. Et puis, ça sera peut-être sûrement la fin de la vidéo, d'ailleurs. Arrêtez de bouger, là. C'est chiant. Bon, on va attendre ça. N'est pas aux pièces. Parce que si jamais tu patines, ça pourrait faire fouac. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ce sera peut-être la fin de la vidéo. Ou pas. Je sais pas. Mais si jamais c'est la fin... je sais pas si les fêtes sont passées ou pas, mais en tout cas, voilà. Comme dans la phare d'avant, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Surtout, prenez soin de vous. Prenez tout mon temps avec ceux que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez, c'est super important. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. Et... Braise à Tao. Bon, bah finalement... Ça sera pas la fin de la vidéo. Je vais vous poser quelque part, parce que je vais vous montrer aussi ce qui fait partie du boulot ici. En fait, ça c'est une remorque de location que je ramène. Ok. Et je vais vous montrer aussi quel bonheur c'est. Là, ça doit être correct. Je vais monter par l'arrière parce que c'est aussi déneigé. Ouais, vous voyez pas mal tout, je pense. Allez, c'est ça aussi. Le Québec. Et... Déneiger la remorque avant de partir. Et si je pars avec une remorque enneigée comme ça, il y a à peu près 25-30 cm. Si vous partez avec une remorque enneigée, de même, les gens peuvent appeler la police. Et la police peut vous poigner simplement au bout suivant. Ou alors une balance. Et là, il y a de la glace dessous. Et ça fait partie des joies. De l'hiver canadien. Voilà, on va les mettre par terre. Voilà, on va les ramasser.
forcément, il y a les bungees qui vont avec. Et maintenant, il faut déneiger. J'en mets plein sous le camion à boubi. La gueule. Oui, il en... Vous l'avez un assaut parce que le ciel il est là-bas. Il a arrêté. En plus, je suis en train de mettre toute la neige devant. Son camion, il va marcher dans la neige. Il va gueuler. Peut-être qu'il va me péter la gueule, je sais pas. Vous savez ce qu'il y a de bien là? C'est qu'en fait, ça c'est tombé en une fois et ça n'a pas regelé dessus. Tiens, là-bas c'est clair même. Ça n'a pas regelé par-dessus. Enfin, il n'y a pas eu de pluie verglaçante, donc c'est de la neige, juste de la neige. Il n'y a pas de glace entre les deux, parce que ça c'est l'enfer. Donc oui, il est avec l'ancien Florian pour l'instant. C'est lui, il est là-bas. Et il va se faire réparer. Il a plusieurs petits problèmes. Rien de bien méchant, mais... Des problèmes qu'il faut régler. Bon, toi, tu tombes pas. Ça suffit. Bon, ça paraît simple, mais je suis essoufflé, je sais pourquoi. Je vais mettre les poils de manière à ce qu'ils puissent les prendre avec les fourches.
C'est après, il va venir avec l'odeur, il va les prendre comme ça. Donc là, c'est M. Caven. Ah, la neige. Bon bah ça c'est fait. Bon bah sur ce coup là, je vais couper là. Ça sent les vacances, c'est calme. Ah, si se met la cabane, c'est pour mettre de la débris. Bon, je vais couper là. Et là sur ce coup là, ça va être la fin. Je redescends les pouilles là. Faut que je dépose 7, 3 essieux là et je reprends une 4 essieux mais en flatbed. Puis peut-être recharger des skidoo, des trucs comme ça, ça va rappeler des souvenirs. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une excellente. Prenez soin de vous. Et sur ce coup-là, à tato et mon revache. Salut Sébastien, c'est Christian, le Meusien. J'ai 55 ans. Ça fait 36 ans que je roule. Voilà, je suis TVDO depuis pas mal d'années, ouais. Et je me régale en les regardant. Je vis un peu le rêve que de partir au Québec. Je vis mon rêve un peu à travers toi. Voilà, donc je te présente un peu mon camion. Donc je suis en flatbed, en plateau. Flatbed pour toi. Voilà la bête. Voilà, je te souhaite de bonnes choses pour la suite de ton aventure. Et bon courage et à bientôt. Ciao, ciao. Moi c'est Romain, j'ai 31 ans, marié, père de deux enfants, d'une fille de 4 ans et un fils de 1 an et demi. Je suis la chaîne YouTube de Sébastien depuis mon retour des États-Unis en 2019. Donc je suis tombé par hasard sur YouTube sur ses vidéos et ça m'a tout de suite plu. Je les ai visionnées quasiment toutes en deux ou trois jours, quoi. Et du coup, je le suis depuis, quoi, à chaque sortie de vidéo, je suis impatient de les voir, et également de connaître les différents parcours qu'il fait à travers les États-Unis, à travers le Canada. Je suis également passionné par ces deux pays-là, et également par les camions américains en général, quoi, voilà. Donc moi, je suis pas du tout dans le domaine du transport, hein. Je suis conseiller retraite. Donc je m'occupe des différents dossiers de retraite des personnes qui souhaitent en prendre. Hein. Et voilà, donc du coup, moi je suis en télétravail actuellement là. Donc depuis le Covid, hein, on a généralisé tout ça. Mais sur mon ordinateur, j'ai quand même le petit fond d'écran. Oups. Le petit fond d'écran avec bien sûr le camion à Seb. Hein, donc du coup. Même au travail, il m'accompagne. Voilà. À bientôt, bonne journée. Good vibrations.